séminaire sur le droit international humanitaire qui est organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le Comité international de la Croix-Rouge. Le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Pierre-Richard Casimir, et le chef de la délégation du CICR en Haïti, Monsieur Ashmore, ont procédé à l'ouverture du séminaire. C'est différent, qui différents points à privé débat dans cette activité ça. Bon, gen, on pas qu'être point à débattre, gen yon survol et cap fait de sur le droit international humanitaire, gen l'autre point encore action qui est déjà posée par Haïti dans le cadre de sa participation à mise en œuvre et de droit international humanitaire qui gagne deux parties là dedans et des conventions qui là pour protéger les victimes de la guerre et aussi et des conventions relatives à la protection des droits de l'homme. C'est qui importance un tel séminaire? Un tel séminaire et ça n'a ou là dans autre thème n'a débattu n'a pas mettre en place une structure qui a aidé à la mise en œuvre des conventions et ratifiées par Haïti. Parce que ce n'est pas le tout de signer et de ratifier, il faut mettre aussi ces conventions en œuvre. C'est pour participer. Et ces différents ministères qui concernés par toutes ces questions, ministère de la Justice et parquet, et ministère de la Culture, et protection tout en temps de guerre et des œuvres culturelles. Nous comptons déjà voler et nous connaissons Haïti son pays, une force, non, c'est la culture, donc il faut nous protéger, ressources, non. Et nous mettons en œuvre une structure qui pour faire suivi et toute convention que Haïti déjà ratifiée et nous avons étudié des possibilités pour nous ratifier d'autres convention dans ce domaine. Combien de jours c'est ça dure? La durée 2 jours, la finie demain, si je veux. Bon, nous attendons à ce que les fonctionnaires qui sont déjà formés dans ce domaine viennent encore mieux rodés pour faire travail et pour participer dans la mise en place de structures nationales ça pour qu'ils puissent faire mise en œuvre, cap chargé de mise en œuvre de convention ça. Un séminaire sur le droit international humanitaire, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose d'important parce qu'enfin Haïti est partie à un certain nombre de conventions et quand on est partie d'une convention, ça veut dire qu'on doit respecter des obligations qu'on a prises. Ça veut dire aussi qu'on a un mot à dire sur la scène internationale. Parce qu'avec chaque convention, on discute les problèmes qui peuvent parvenir. Je peux citer un exemple, les mines antipersonnelles. Haïti a signé cette convention. Ça veut dire maintenant qu'elle a une voix quand il y a des discussions pour comment faire appliquer cette loi. Pourquoi c'est important? C'est parce que le conflit, ça existe dans ce monde et c'est la communauté ensemble, internationale, la communauté des États, qui peut essayer d'agir pour alléger les souffrances des gens qui sont confrontés à des conflits. Et Haïti devrait faire son part aussi. Le CICR a comme rôle le gardien de cette branche de droit. La première convention de droit international humanitaire, c'était la convention de Genève, signée en 1864. Et le CICR a été créé une année avant ça. Donc pour nous, on promeut ce droit à travers le monde, dans tous les pays du monde, et on essaie de faire respecter les règles de la guerre quand il y a malheureusement les conflits. Ce séminaire rentre dans le cadre
d'abord donner des informations sur le droit international humanitaire et de voir avec les institutions haïtiennes dans quelle sorte ils peuvent aller en avant avec la ratification des traités internationaux. Mais pas seulement ça, c'est facile signer un bout de papier. Ce qui est compliqué, c'est après ça d'intégrer des dispositions, des obligations internationales dans la législation nationale. Et ça n'est pas l'affaire des étrangers, ça c'est l'affaire des Haïtiens. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer de voir comment les participants à ce séminaire peuvent aller en avant après en suggérant des mécanismes d'intégration de cette loi dans la loi haïtienne. Le public cible, c'est des institutions publiques, donc les ministères clés, le ministère des Affaires étrangères, de la communication, de la justice, aussi des institutions académiques, parce que les universités jouent un rôle très important par rapport à la formation des juristes, on est bien d'accord. Donc c'est vraiment des institutions publiques qui sont visées, ainsi que le Parlement, parce que bien sûr, tout ce qui a à faire avec la législation doit passer forcément par une approbation du Parlement.